Le chef du protocole Valorant Brimstone possède un bureau qui regorge d'informations concernant l'avancée du lore de Valorant. Le bureau de Brimstone se situe sous le stand de tir du camp d'entraînement et a été ajouté durant l'épisode 3 de l'acte 3. Il contient plusieurs de ses souvenirs avec de multiples éléments interactifs qui sont régulièrement mis à jour. Son bureau est accessible en allant dans le mode entraînement, puis en sélectionnant terrain en plein air ou stand de tir. Vous devrez alors descendre les escaliers et vous aventurer dans le couloir pour enfin trouver le bureau sur la droite. La pièce est décorée de photos illustrant différentes époques de sa vie passée. Sur la plupart d'entre elles, on peut voir son ami d'enfance, Tariq Porter. Un téléphone est présent sur le canapé qui, lorsque nous l'utilisons, diffuse un ou plusieurs messages vocaux d'agents du protocole Valorant. Sur le bureau, nous pouvons trouver l'ordinateur de Brimstone. Il est possible d'y consulter le dernier mail qui lui a été envoyé. Les messages vocaux et les emails sont modifiés à chaque patch afin de suivre les avancées de l'histoire. Un tourne-disque est posé sur une petite table au fond de la pièce. Il est aussi interactif et lorsqu'on clique dessus, il joue une courte chanson. La pochette du vinyle est posée juste à côté. Le design de celle-ci change à certains patchs. Le bureau est équipé d'un tableau sur lequel on retrouve une carte avec des informations mises à jour au fil du temps. Alors qu'il était à l'origine situé à l'intérieur du bureau, il a été déplacé à l'extérieur juste en haut des escaliers. La carte est souvent actualisée, ajoutant ou supprimant des images en fonction de la progression des événements de l'histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ferez bon usage du bureau de Brimstone et surtout de cette carte contenant de nombreuses informations inédites. Pour me soutenir, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, un commentaire et surtout vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de venir me suivre sur les autres plateformes, TikTok, Discord, Twitch et Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup et à bientôt.